Bonjour, aujourd'hui on va faire une vidéo de Shopkins. Vous voyez, c'est magnifique. Ouais, vraiment magnifique, je te crois. Donc, ici, Hannah va vous présenter ce livre. Ben, ici, il y a du livre. C'est un livre de blagues, d'histoires drôles et de devinettes. Et je vais vous en dire deux. Oui, Legend. Sur le même étalage, j'ai découvert les fruits et les légumes. Les starlettes du rayon sont l'irrésistible petite fraise frisée. Et pas plus haute que trois pommes, ma croquante pommette. Oh, les super-héros font-ils leur course? Je sais pas! Réponse. Au supermarché, bien sûr. Maintenant, Hannah va vous montrer le deuxième tome. Exactement. Et elle va vous lire encore deux blagues. Et ça va être très le fun. Ouais. Et on va lire. Il y a également des petites histoires à la fin. Oui, comme ici. Voyez comme ça. Il y a ici, il y a chocolat, pommette et rouge à lèvres, madame. Voilà. Oui. Parfait. Il y a même des collants. Exactement. Des collants. Ici. Ouais, beaucoup de collants. Donc, Hannah, tu nous montres. Donc là, c'est le même livre, mais le deuxième. Donc, puis les légumes. Ils sont craquants. Ils sont choux. Et ils ont de grands cœurs. Avec les fruits et les légumes, tu rencontreras des vertes et des pas mûres. Mais jamais tu ne te feras raconter de salade. Que dit-on d'un chapkin qui se perd dans les rayons de fruits, des fruits et des légumes? Je sais pas. Réponse. Qui vit dans les patates. Donc ça, c'était les deux livres. Maintenant, on va vous montrer les petits paniers Shopkins. Emma va ouvrir ce panier. Une mangue peut-être. Une pêche molle. Et des grains de café magnifiques. Trop cool. Trop cool. J'ai envie de m'en manger un million. Moi, je vais ouvrir ceci. Des petites bines et des spaghettis. Bianca va ouvrir celui-ci. Une chaussure espadrille. Et une belle saucisse. Ok. Et Hannah va ouvrir celui-ci. Ok. Un pêche pêche à la ficelle. Et des potons. Emma va ouvrir celui-ci. Wow, une casquette! Il y a même le logo Shopkins. Une gaufre avec de la crème glacée. Je suis tellement morte dans les Shopkins. Un petit talon haut avec une cerise jaune. Et un vernis à ongles. Super cute. Bianca va ouvrir celui-ci. Il y a une chaussure verte. Une chaussure blanche. C'est le même modèle. Oui, c'est le même modèle, sauf qu'elles sont différentes à la couleur, bien sûr. Et Hannah va ouvrir le dernier petit sac surprise. Un cellulaire. Oh my god. Un
glace chocolat. Il y a aussi une balle anti-stress pommel. Voyons, c'est des Chopkins anti-stress. Maintenant, on va ouvrir les elfes. Emma, ouvre celui-ci. C'est quoi, donc? On ne le sait pas. Waouh, il est magnifique, vous ne croyez pas? Petits elfes de Noël. Petits elfes qui mangent une banane avec une chevelure colorée. On a un peu de difficultés. On va en ouvrir un autre. Encore un peu de difficultés. Ah oh. Je crois que c'est un elfe dragon. Ah, oh, c'est à mon tour. Non, c'est à mon tour. Oh, ok. Et après, c'est le mien. C'est lui le difficile. Oh! Oh, il est tout cute. Un elfe avec des ailes roses. Noir avec une rose. Rose. Et notre dernier, je crois. C'est-tu notre dernier? Non. Il en manque encore un. Moi, je sais c'est lequel. C'est lequel? Ah, secret. C'est qui peut m'aider? Moi. Moi. Donnez-moi le, je suis spécialiste. Ouvre le zèle. Je pense que... Oh, c'est dur celui-là. Il est donc de dire que je ne peux même pas l'ouvrir. Ce n'est pas bien. Est-ce que vous avez besoin d'un marteau? C'est un zèle animal. Et c'est le mien. C'est le meilleur. Mais en fait, c'est le... Il est trop cute. Oui, on l'a fait. Maintenant, on va ouvrir la petite sacoche bleue. Non, il reste un. Oh, il est plus gros, cet elfe. C'est un elfe nuage. Les elfes nuages sont plus gros. Oh, c'est et il a des ailes. Maintenant, il y a ce petit elfe. Il est très beau. Et un petit peu plus grand. Et il a cette elfe gigantesque. Oui, il est très acheté à 30$ et je vous jure, on l'apporte. C'est le maître des elfes. Il faut toujours l'écouter. Sinon, il va nous trancher la tête. Exactement. Oh, maître des elfes. Ouais, je vais dire, j'ai 45 ans. Donc maintenant, on va vous montrer le petit kit Chopkins qui s'appelle Foire alimentaire, qui est la collection de bonbons. Donc, il y a un petit truc pour savoir le poids des Chopkins. Un petit sac. Mais en fait, c'est une poubelle. c'est un petit truc pour ramasser les emballages de bonbons de Chopkins. Il y a également ce gigantesque rangement de Chopkins.
On peut dire que c'est un Chapkin gigantesque, oui. Car il est vivant. On peut également ranger ce petit truc là-dedans. Ça vient également avec 8 Chapkins différents. Le petit 1. C'est un petit bonbon comme ceci. Exactement, et on l'adore. Et on va le mettre ici. Dans le petit présentoir, j'ai un petit détruit. Allez, choisis-en une autre. J'aime pas. Ouh, une petite gelée. Très mignon. Ben, cette petite gelée, elle est mauve et rose. Et elle nous fait un clin d'œil. On va la mettre dans les présentoirs. Et moi, je vais prendre la petite gelée rose, blanche et jaune. Elle est très mignonne. On va la ranger en dessous. Je vais choisir un Chapkins. Je vais prendre celui-ci car il est très mignon. Vous voyez, il a un serpent en gélatine comme cheveux. On le met en dessous. Allez Emma, choisis-en un autre. Exactement. Celui-ci. Ouh, un bel anneau en gélatine. Non, je le mets ici, car c'est sa place habituelle et il vit tout le temps là, dans la poubelle. Très bien. Je en choisis un autre. Je vais prendre le petit soda très mignon. Il a un problème avec ses yeux, donc on va l'installer en haut. Bon, ben moi j'ai pris le popsicle qui a du blanc, du orange et du jaune. Et je vais les mettre ici. Parce qu'il ne voit rien. Je vais prendre un petit caramel qu'on va installer ici. Et on a un Chapkins comme ceci. C'est un toutou. I know Chapkin comme ceci. Lui, regardez-moi. Je me mets du rouge à lèvres. Ah! Elle est délicieuse. Et moi, je veux manger du chocolat. Et dans ce petit jeu de société, il y a également des Chapkins. Mais il y en a seulement 2 qui sont vrais. Car les autres ne sont pas des vrais Chapkins. Ils ont été inventés pour le jeu de société. Il y a... fromage. Il y a aussi un petit papier de toilette. Qui n'est pas vrai. Il y a une pommette. Et elle est vraiment vraie. Elle existe vraie. Et il y a un bonbon multicolore. Mais lui, il n'existe pas pour de vrai. Et lui non plus, il n'existe pas. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Et n'oubliez pas de rechercher le petit soulier en or. C'est la fin. Ouais.